Méditation du 16 octobre, la route de Tillamook. Je conduisais notre voiture en suivant mon frère qui me guidait. Nous apprécions tout le paysage magnifique des montagnes enneigées qui semblaient éclaboussées de minuscules diamants par le reflet des rayons du soleil. Sous ce ciel bleu, nous semblions faire partie d'un tableau spectaculaire. Mes enfants prenaient des photos de ces œuvres monumentales de la main de Dieu qui nous enthousiasmaient, nous rappelant combien le Créateur est grand. Nous étions en route pour la ville côtière de Tillamook, dans l'état de l'Oregon aux États-Unis. Pour l'heure, nous ne pensions pas au chemin du retour. Mais comme tout a une fin dans la vie, le moment est venu de rentrer à la maison. Et c'est là que j'ai réalisé que 4 heures de route sur une vraie patinoire m'attendaient. Je n'avais pas l'habitude de conduire dans de telles conditions, encore moins de nuit. Alors quand le jour est tombé, j'ai commencé à invoquer l'ange de l'Éternel pour qu'il me donne la force de surmonter cette épreuve. À plusieurs reprises, j'ai eu des frayeurs en voyant notre voiture patiner et s'approcher du précipice. Mes enfants, morts de peur, priaient Jésus de nous aider dans cette situation. Et Jésus n'a pas abandonné ceux qui le cherchaient. Dans Psaume 9, le verset 10, nous lisons que Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. « Cherche » est un verbe au présent d'habitude que le psalmiste utilise parce qu'il connaît la merveilleuse manière dont Dieu est toujours intervenu dans la vie de ses enfants. Nombreux sont ceux qui, dans le passé, ont réussi après avoir cherché Dieu. Noé, Enoch, Abraham, Déborah et une longue liste d'hommes et de femmes qui n'ont pas été abandonnés, parmi eux David lui-même. Grâce à ces personnages de la Bible, nous pouvons savoir que cette puissance est encore à notre portée. C'est pourquoi nous pouvons continuer à avoir confiance en lui. Quelle merveilleuse certitude! Nous pouvons mettre notre confiance en Dieu, tant dans les petites choses de la vie que dans les grandes. Je sais que cette nuit-là, mon frère et moi avons été délivrés et que nos voitures ne se sont pas retournées parce que le Seigneur a accompagné ses enfants qui lui font confiance. Les dangers ont des degrés différents, mais nous pouvons être joyeuses parce que ceux qui ont vécu avant nous nous ont laissé le témoignage que notre Dieu ne nous abandonne pas. Verset du jour, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. » Psaume 9, verset 11. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.